L'un des plus poignants fut celui d'Audrey Byrne, ambassadrice de l'UNICEF. Elle s'est rendue en Somalie il y a un peu plus de 2 semaines. Elle a raconté à François Ponchetet la tragédie de ce pays. Trop de gens meurent encore, tous les nuits, tous les jours, et surtout les enfants, parce qu'ils sont le plus fragiles. Et il y a des endroits où il n'y a plus. J'étais dans des camps de gens déplacés par la guerre ou par la sécheresse, où il n'y a plus de bébés, où les enfants en dessous de 2 ans n'ont pas résisté. Que représente 1 kilo de riz pour un enfant somalien? Mais des semaines de repas. Pour expliquer aux enfants français qui demain dans les écoles vont arriver avec un paquet de riz dans les mains, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver? Vous savez, moi je crois qu'on a besoin de dire très peu aux enfants pour les motiver. Dans beaucoup de cas, ils sont beaucoup plus motivés que nous, ils sont moins compliqués. Je pense que vous allez voir que les enfants amènent ça avec la plus grande amour et facilité. Et les enfants sont aussi merveilleux à penser des façons d'aider. Je peux leur dire qu'une fois que ce riz est arrivé en Somalie, que c'est l'UNICEF qui s'en occupera avec le World Food Program d'assurer aux enfants ici et aux parents que nous ferons le tout possible que ça arriverait où il faut. Voilà, j'ajoute que pour participer très concrètement